Vendredi 23 septembre, le président de la République était de retour de New York aux États-Unis, où il a pris part à la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Du haut de la tribune de l'institution mondiale, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a renouvelé ses attentes par rapport non seulement à son pays, mais aussi au continent africain, dont le Gabon est le porte-voix pour ce qui est, par exemple, des questions liées à la sauvegarde de l'humanité, la préservation de l'environnement comprise. Cette question, tout comme celle en rapport avec la paix, la sécurité, l'éducation et l'approche genre, a été évoquée par le numéro 1 gabonais, qui a également milité en faveur de la consolidation du rôle de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut par-dessus tout noter qu'Ali Bongo Ondimba s'est prononcé contre la vie chère, invitant toutes les nations du monde à ne pas laisser les plus vulnérables de côté. Bref, du haut de la tribune de l'ONU, mercredi 21 septembre dernier, le président de la République a émis le vœu que l'Afrique pèse davantage. À noter que le chef de l'État a mis à profit son séjour à New York pour honorer de sa présence la réception offerte par le couple présidentiel américain, les Joe Biden. Après un entretien enrichissant avec son homologue nigérien Mohamed Bazoum, portant sur les grands sujets de l'heure, à savoir la paix, la sécurité et l'économie, entre autres. Rappelons qu'avant les États-Unis, Ali Bongo Ondimba a séjourné à Londres, en Angleterre, où il a assisté aux obsèques de la reine Elisabeth II, décédée à l'âge de 96 ans, après un règne de 70 ans. Ce décès est intervenu quelques mois seulement après que le Gabon ait été admis au sein du Commonwealth, l'organisation regroupant essentiellement en son sein les pays parlant la langue anglaise et reconnue pour son dynamisme.